Ils sont là contre la ligne de Tristan Roy. Bon match avec nous cet après-midi, barre oblique ce soir. Pilote aux prises avec un adversaire, va l'amener le long de la rampe. Là. Bonnefond, les deux capitaines. Un tir en angle qui a fait un drôle de bond et Beaunoyer a dû être vif là-dessus. Arrête de la roche, voulait remettre vers Despatie. Ça a été bloqué, Valdor. Et 0 en 1, jeu de puissance. Pilote passe vers Sarrazin. Et là, Sarrazin l'échappe. Un tir à courte distance. Arrêt important sur Baillargeon. On verra avec l'arbitre qui était le long de la rampe. Le disque qui est quand même sorti là vers Veilleux. Veilleux toujours dangereux. Perfiala à courte distance. On va prendre un tir sur Fernandez. C'était pas évident, mais Valdor tire de pas de vin, ça va dévier cependant. L'idée était bonne, là, mais évidemment, la mise en jeu, il y a toujours un peu plus de trafic. Ouais. Mauvaise remise, pas de vin, vient saisir devant le filet pour Bourque. Et l'arrêt. Et Wildis qui aura pénalité à Shawinigan. Oui, c'est ce qu'il faut retenir. Par Bonnefond, le capitaine avec Étier. Ça va sur le côté, même derrière. Lui, a beau jeu, le découlé des secondes. Et c'est bien fait pour Plamondon. Je pensais bien que Plamondon était... Et le but! Bonnefond l'a dévié à courte distance et les Foreurs se font jouer un tour à 5 contre 4, 1-0. Et ce que tu croyais, bien, plusieurs le pensaient également. Plamondon qui a fait là, un miracle pour conserver la rondelle. Regardez, il l'a mis. C'est beau de l'intercepter, mais il l'a conservé. A pris un tir balloon vers la cage de Beaunoyer. Ça a sans doute été dévié. Oui. Et imaginez, ce qu'on voulait pas, bien, c'est ça. C'est un but, un avantage numérique. Mais je pensais bien que Plamondon... Les deux vieux, si je puis dire. C'est le ménage. Et Barry va s'échapper. Il est seul. Il attend Barry Samen. Rondelle n'est pas à plat. Un tir, c'est bloqué. Retour. Et comment est-ce que c'est pas rentré, ça, Martin? Wow! Barry n'a jamais réussi vraiment à semer l'adversaire. Il a quand même, vous le voyez, eu l'opportunité. Mais la saison est quand même un peu pénible. Même que Tourigny va s'amener. Remise à la serre. Quel arrêt important de Beaunoyer. Le disque est libre. Oh! Et le but! On l'a cherché. Le seul qui envoyait tout le long, c'est Lacerte. Et les chez les Foreurs, on s'en veut. La ligne des vétérans est à sa glace avec ton 20 ans en arrière et on se fait jouer un tour. Oui, pourtant, Beaunoyer avait bien fait. Il a challengé le disque et est sorti profondément. Le retour qui lui est revenu entre les jambières. Je pensais au miracle à un certain moment donné. Vous l'avez vu, la rondelle qui circulait, mais ne trouvait pas nécessairement la zone payante. Regardez bien, on va le voir, il y avait du trafic. Et je me suis dit à ce moment-là précis, ben ils s'en sortent là. Et là, finalement. Fiala voulait lancer sur Ravise, alimente Veilleux. Veilleux à son tour de changer d'idée. Pour Brisson. Diagonale pour Fiala. Devant. Et le but! Alexandre Guy! Ben je pense là. Oui, ça va féliciter Fiala, mais c'est un but en jeu de puissance. Et quelle passe de Fiala. Ah, oui. Au lieu de tirer, vous allez le voir. Il y avait deux joueurs. Pouvait être la cible. Regardez bien. Il a bien circulé. Deux joueurs des Foreurs attendaient le disque. Et encore une fois, les Foreurs qui ont bien failli se faire jouer un tour. Regardez bien Fiala, on dirait qu'il va lancer. Il m'a eu moi-même. Regardez ses épaules. Il va lancer. Non, c'est une passe. C'est sûr que le gardien et la défensive fassent, Martin. C'est un jeu parfait. Le jeu à 4 contre 4. C'est pour ça que c'est passablement plus ouvert. Lacerte. Se défaite Fiala, Lacerte. Un tir. Non, c'est pas. Ça a frappé le poteau, dit l'arbitre. Plamondon. Il ne restait plus rien. Ménard. Ça mène et ça a touché le poteau ou la barre horizontale et ça va dans le filet protecteur. Ouais, Beaunoyer. La mosse, là. Pendant ce temps-là, juste poursuivi en zone de Valdor. Ça a été l'histoire de la deuxième à date. Lagacé perd le disque. Un tir dans la gobeuse de Beaunoyer. Beaunoyer, c'est un gardien. J'allais dire, va se servir de la rampe. Il a choisi le chemin inverse. Pas ça vers Pilote. Lui va y aller le long de la rampe, mais c'était pas très probable. Heureusement, Messi vient colmater cette séquence. Mais ça, belle passe pour Labelle. Labelle avec Guy. Wow. Guy est seul. Oh! L'arrête Fernandez à bout portant. Et là, Guy a reçu un coup au visage, mais l'arbitre essaie de s'en... La fois j'avais calculé, là, c'est 12 en 20 de réussite. Ça veut dire que l'adversaire est assez fort. Là. Aïe. C'est mal. C'est le but. Partie supérieure, ça a pris 7 secondes. C'est 3 à 1. Quel tir parfait. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a pas été compliqué, hein? Regardez Klimas, on va voir la reprise, il part de la zone neutre. Vous allez voir arriver comme un train. Là. Il n'est pas dans l'image parce qu'il est dans zone neutre. Il s'en vient, ça c'était dessiné comme ça, ce jeu-là. Hey! Avec un bon trafic devant Beaunoyer. Alors quand on parle de chance, en même temps... Il y avait l'adversaire, le frappé le long de la rampe, ça cause presque un revirement. Bolduc accepte, n'avait pas de ligne de tir, remet ça plus bas pour pas de 20. Hey! Wow! Tommy Bouchard! Son deuxième de la fin de semaine. Le joueur affilié, il est en feu. C'est 3-1.
passe de Potvin. Regardez bien la démarche. Intéressant. Et souvenez-vous du revirement. C'est Jeunebourg qui a également fait pression. Et on a embouteillé les Cataractes dans leur territoire. Et il a été question d'un tic-tac-toe assez large. Regardez bien ça. Rapidement. Boum! On va vouloir ramener ça devant. Il faudrait le faire rapidement. 5 secondes. Remet ça plus bas vers Sarrazin. Sarrazin veut ramener. Là, les cartes vont juste flageller le long de la rampe. Et les Foreurs s'inclinent 3-2 à Val-d'Or ce soir. Maintenant, c'est payé une petite gâterie inutile sur Sarrazin après.